Bonjour à tous, bienvenue sur WebAgri, WebAgri en direct du CIMA 2019 sur le stand JCB pour vous parler de la nouvelle gamme de télescopiques JCB série 3. Pour cela, je suis avec Christophe Le Carpentier. Christophe, tu es directeur marketing chez JCB France. Est-ce que tu peux nous présenter cette nouvelle gamme ? Bien, on parle de la nouvelle gamme de télescopiques série 3. Donc tout d'abord, cette nouvelle gamme reprend l'ADN des télescopiques JCB puisque nous sommes notre propre fabricant de ponts, transmissions, moteurs maison qui va de 75 chevaux à 145 chevaux. Ça fait plus de 40 ans qu'on fabrique des télescopiques. Donc les séries 3 sont vraiment héritiers de cet ADN. Mais on en donne encore plus à nos clients, aux agriculteurs, avec cette série 3, puisque nous avons revu le châssis pour donner plus de capacité. Donc sur l'ensemble des bonnets, on a gagné entre 100 et 200 kg de capacité pour donner plus de productivité, plus de rapidité aussi pour travailler à nos clients. Alors, je crois que cette série 3 a aussi une autre nouveauté, et pas des moindres, c'est la nouvelle cabine Commande Plus. Un petit mot ? Alors, cabine Commande Plus, eh bien, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une toute nouvelle cabine qui a été entièrement revue. C'est 2 ans d'études d'ergonomie pour offrir plus d'espace, 12% de plus de volume. Pour offrir plus de visibilité, on a un pare-brise multirayon qui permet d'avoir une visibilité complète, donc plus de visibilité et beaucoup de rangements à l'intérieur de la cabine, plus d'ergonomie et un nouvel écran 7 pouces qui permet à l'opérateur d'avoir toutes les informations sur un écran digital. Et puis, un des points essentiels qu'on ne peut pas voir sur un stand statique, c'est le silence. C'est une cabine qui est très silencieuse. On est passé à une réduction de bruit de 50% avec 69 décibels seulement. Donc plus de confort, plus de visibilité, plus d'espace pour l'opérateur. Alors je crois que cette machine a été élue machine de l'année. Machine de l'année, c'est un prix décerné par les journalistes européens. C'est une fierté pour vous ? C'est une fierté parce que ça vient récompenser déjà cette 40 ans d'histoire en télescopique, puisqu'on a créé le télescopique en 1977. Et puis, beaucoup de travail, beaucoup d'études ont été faites pour augmenter la productivité, pour augmenter le confort. Et bien, ce prix vient récompenser tout ce travail qui a été fait par nos équipes de designers. Christophe, merci beaucoup. Et quant à vous, je vous invite à nous retrouver prochainement sur WebAgri pour d'autres émissions.